Chicha, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo escape. On arrive dans la bouche d'un monsieur et le but, je pense, ça va être de sortir de son corps quoi. Parce que là, pour l'instant, je suis un peu dans sa bouche. Et ça c'est sa glotte. Normalement, si je saute dessus, il doit vomir. Vomis. Ok, lui, il en a rien à faire, il vomit pas du tout. Et ben c'est parti, hein. On est parti pour sauter. Voilà. On se retrouve, je sais pas trop où, à l'intérieur de son abdomen. Et va falloir qu'on sorte de là relativement rapidement. Et voilà, ça j'en étais sûre, ça c'est le genre de case. Elles ont l'air un peu épaisses en plus. On va y passer déjà un petit moment, là. Alors, à votre avis, ça c'est quoi? C'est le fond de la gorge? Oh! On recommence! Limite, j'ai envie d'y aller tout droit comme ça. Limite, si je fais ça... Non. Ok, on peut pas faire de double saut, ça sert à rien. Il va falloir y aller vraiment par étapes. Diagonale par diagonale. Et ça, ça va pas être fun. Alors, ok. Et de 1, de 2... Ouais, on va y aller tout doucement. En tournant bien la caméra. Non! Purée, je suis sûre, c'est là. C'est ma main. C'est ma main, elle a dépassé. Ok, on la refait tranquille. Concentration. Non! Alors, je tournicote. Je taute. Je retournicote. Non, tu m'as poussé. Espèce de gros chachaminou là. Ah ouais, alors toi si t'y arrives et que moi j'ai pas réussi parce que tu m'as poussé, on va pas être potes. Hein. C'est la première épreuve et déjà c'est une catastrophe. Pourtant je joue depuis un moment à Roblox, hein, je vous jure. Vas-y, saute avant moi toi parce que tu vas me faire tomber. Laisse-moi tranquille. On est bon. Oh purée, j'ai tellement peur qu'elle me pousse. Je vous jure, je suis stressée. Ok. Après il se passe quoi? Enregistrez-moi, je veux pas repartir en arrière, s'il vous plaît. Normalement ça s'enregistre, on est d'accord, hein, je suis prête à cliquer 10 fois dessus. Hein. Alors ça c'est un quoi? Comment ça s'appelle ces petits gâteaux là? Trop bon, noir, avec de la crème à l'intérieur, on boit ça avec du... Enfin, on mange ça avec du lait. Les Oreos! Franchement, c'est des petits Oreos. Après, on a des frites. Alors, manger des Oreos et des frites, je sais pas trop. Faut pas les manger en même temps. Et voilà, j'ai dérapé sur une frite. Ça c'est parce qu'il y avait trop d'huile sur les frites. Ne dites pas ça. Allez. On saute sur les petits Oreos. Ensuite, on se fait les frites. Parfait. Frites 1. Frites. Elle m'a poussée. Mais qu'est-ce qu'elle est vilaine. C'est pas la première fois qu'elle me fait le coup, hein. J'espère bien que tu vas chuter, ouais. Il m'attend pas sur ta frite. Tu t'en vas. Il est hors de question que. Non. Ma moitelle, là. Pchit. Elle reste en plein milieu exprès. Elle veut que je perde. Elle veut me faire galérer. Je te dépasse. Voilà, tu peux t'endormir sur ta frite. C'est terminé. Alors ça c'est quoi? C'est une pizza. Là c'est une petite pizza. Ça aussi c'est une petite... Quoi? Mais j'étais dessus. Les gens dans le chat. Vous êtes témoins que j'étais en plein milieu de cette part de pizza. D'où je tombe? N'importe quoi, hein. On aura tout vu là. Ok, alors... Pardon madame, excusez-moi. Je vous grimpe sur la tête. Oui, non, parce que c'est pas très très facile de sauter sur les frites, là. Avec vous en plein milieu, on s'en sort pas trop, hein. Là, le but, c'est d'arriver vraiment en plein cœur. Ok, donc là, tout va bien. Et maintenant, ça va être d'arriver là-haut, et là, on va s'amuser, là. Ouh, ça va. Ça passe. Voilà, on enregistre bien, on tourne bien. Voilà. Alors, il se passe quoi? Oh, bah ça, ça va. Enfin, je dis ça. Faut pas trop que je m'avance, parce qu'à chaque fois que je m'avance, c'est là où je meurs, où je perds, où ça se passe mal. Maintenant, je vais y aller vraiment par étapes, tranquillement, doucement. Voilà. J'y vais très très gentiment. Très gentiment. En plus, il y a de l'acide partout ici, ça doit être de l'acide gastrique, le truc qui te digère quand tu tombes dedans. Donc j'ai aucune envie de me faire digérer par ce monsieur là. Moi, je veux juste sortir de son ventre, c'est tout ce que je demande. Je sais même pas si on est... Non ! Je me suis fait manger. Je me suis fait digérer, voilà. Tout ce que je voulais pas, je me suis fait digérer. Allez, mon petit, tu peux le faire. Voilà, on tournicote bien. On fait attention aux parois. On évite de réveiller la grosse bête. C'est un ogre, si ça se trouve. Hein. Parce que là, pour avoir un ventre aussi énorme, ça peut être qu'un ogre. Hein. C'est pas quelqu'un de normal, hein. Je vous le dis, moi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ok, très bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors, je ne sais pas, dans l'estomac, qu'est-ce qui peut être vert? Mais à mon avis, si c'est pas du haricot vert pas frais, c'est que c'est là depuis un moment, hein. C'est que ça doit être un peu moisi à l'intérieur du monsieur. Nous l'appellerons Richard. Non, pas Richard. Nous l'appellerons Norbert. Voilà, Norbert. Norbert,
Vous avez l'intérieur un peu tout pourri. Et moi, je marche pas droit. Je ne marche pas droit du tout. Ok, on se la refait. Norbert, s'il te plaît. Ça y est, il a pas aimé le nom Norbert, il m'a fait tomber. Je vais tranquille. Autant prendre son temps parce que là, je sais pas ce qu'il a mangé. Si c'est de la sauce piquante, mélangée à du ketchup, mélangée à de la moutarde. Il y a un peu de mayonnaise. Mais c'est pas la joie, hein. Funambule. Ça va, on n'est pas haut, sinon je peux vous assurer que j'aurai le vertige. Ah, bah en parlant de hauteur, tiens. Juste quand on parle de hauteur, c'est le jeu du saut. Ça va, ça se laisse faire. Voilà. Ensuite, hop. Forcément, quand je dis ça va, c'est là où ça se complique. Est-ce que vous sentez ma galère là? Allez, le dernier. Oh purée, j'ai cru qu'on n'allait pas l'avoir le dernier. Ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours quand t'es sur le dernier obstacle que tu dis ça y est, je ne l'aurai pas. Oh, alors ça fait vraiment penser à des petites bulles de chewing-gum. Donc si ça se trouve, en fait, c'était une espèce de grenadine qu'on a en dessous. Mais une grenadine violente et piquante, je ne sais pas. Parce que ça avait l'air bien rose, là. Ça ressemble à du saucisson. Alors là, on doit être dans les intestins. Ça, c'est forcément du saucisson. Et alors, le truc vert au milieu, me demandez pas ce que c'est. C'est la paroi où d'autres morceaux de saucisson sont déjà passés. Et où, au bout d'un moment, ça sent plus très très bon. Parce que quand ton intérieur, il commence à être vert ou rose fluo, faut se poser des questions. J'ai failli me manger le morceau. Eh, je commence à devenir forte, hein, Dieu. Est-ce que ça, c'est une paroi qui glisse? Ça va. Libérée, délivrée, je monte une paroi de glace. Et là, faut faire quoi? Ah! Ok, c'était un troll, c'était un prank! Je me suis fait prank! Donc là, ça doit être le bon. Voilà, là c'était pas le bon. Donc il faut passer à droite, à gauche. Et là t'es obligé de le refaire de toute façon. Pour que ce soit bon, t'as pas le choix. Donc. Et là du coup, bah je sais pas. Ok, c'est à droite. Et c'est à droite. On a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance. Là c'est le truc, tu peux le recommencer 5 fois si jamais tu te trompes, quoi. Alors, ça c'est quoi? Ah, là c'est couleur chorizo, hein. Ah oui, là, ça nous a bien découpé d'ailleurs. Découpé en petites lamelles fines tranches. Non, ça suffit. On se concentre, on fait pas le prodige là. Hop là. Non, je voulais sauter et ça m'a fait avancer. Bon. Il était une fois un petit renard qui voulait sauter au-dessus des rondelles de sauciflard. Et c'était pas si facile. Heureusement, j'allais dire grâce à sa persévérance, il allait enfin y arriver, mais pas du tout. Voilà. Une question de régularité. C'est tout. Oui, on va le refaire 20 fois. On va pas se mentir. Splat Gaming! Laisse-moi passer. Je sais pas pourquoi, en fait, quand je fais mon deuxième saut, il avance alors que j'ai appuyé sur la touche sauter avant. C'est compliqué, ce jeu, c'est compliqué. Là, vous allez bien entendre mes touches, là, parce que je vais appuyer de toutes mes forces dessus. Non ! Rat des pâquerettes ! On s'est fait ratiboiser les fesses. Je veux pas rester bloquée, là. S'il vous plaît. Laissez-moi passer. J'ai sauté, je vous jure, j'ai sauté. Eh non, mais je vais finir par filmer mon clavier, hein. En mode, j'appuie sur la touche sauter, elle saute pas, ensuite j'avance, parce que normalement tu sautes et t'avances, et là, elle se mange le truc. Bon, ça va, on n'est pas arrivé à l'avant-dernier. Je pense qu'on serait morte à l'avant-dernier, j'aurais vraiment pété un câble. Elle est pas coupée en morceaux, j'avance, elle se coupe en morceaux. Faut qu'on m'explique. 3 hours later.
Et voilà, c'est quand je parle pas que j'y arrive. Genre là, vous imaginez pas toute la concentration que j'ai mis dedans. Genre, il y avait plus un bruit, il se passait plus rien, c'était... grand moment, et là, j'y arrive. Et là, j'y arrive. Non ! Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais elle s'est suicidée ! Elle s'est suicidée ! Alors, le suicide n'est pas... Arrête ! Arrête. Arrête d'avancer, toute seule. Voilà, merci. Laisse-moi te diriger. Parce que là, tu es en train de te jeter dans la mort, en fait. C'est juste pas possible de se jeter comme ça dans la mort. C'est non. Bon, les petits trains... Faut être dans l'axe. Si je suis pas dans l'axe... Compliqué. Je vais vraiment, avec amour, joie et délicatesse, je n'ai pas envie de recommencer ce truc. Tu vois que quand t'as fait un exercice plus de 10 fois d'affilée, après tu te concentres 10 fois plus pour le reste, parce que tu te dis, non, c'est bon. Voilà, j'ai juste envie de sortir de son estomac. Son estomac qui est d'ailleurs très très bizarre, violet, rose, blanc. Là on arrive dans le caca. Ah bah on est tombé dedans. On est tombé dans le caca, la la dire la dada. Est-ce qu'on pourrait éviter de tomber dans la M? Merci. Ce serait cool. Franchement, s'il y a bien un endroit où j'aimerais pas tomber, c'est là quoi. Donc, on va faire un effort. Voilà. On va bien prendre l'escalier. Voilà. On arrête le caca. Ça suffit. Là, on arrive dans le blood. Eh, peut-être qu'on a, on revient là dans le... Dans la fin de la fin, dans la cacatotitude. J'allais dire la bouche, mais non, vu tout ce qu'on a traversé, la bouche, ça fait longtemps qu'on n'y est plus. Ah. Donc là, ce serait cool de sortir. Où est la sortie? Je le sens bien, là, il y a des trucs violets là-bas. Parce que là, je peux vous dire que si on tombe d'ici dans le caca, on n'en ressort plus. Hein. Du moins, on n'en ressort pas vivant. Ok, après, il y a des petits tubes. Je commence à avoir le vertige. C'est quoi ça? C'est quoi cette espèce de truc violet bizarre là? Oh, je sais pas ce que c'est, mais ça m'inspire pas du tout confiance, ça a une forme bizarre, ça... Le passage est bizarre, enfin, ça donne pas envie, quoi. Ok. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'ai le vertige. Ça me fait une espèce de truc dans le cœur, là. Laissez-moi partir! Oui, oui, je sens que je vais être éjectée! Ah non, pas encore. Ah, je le sentais, là. Je me disais que ça y est. Ah, nous arrivons dans le labyrinthe. Ah non, pas si labyrinthe que ça en fait. Où est-ce qu'on est? C'est de là où je viens? Oui, c'est de là où je viens en fait. Je viens de faire un demi-tour sur moi-même. Ah, j'ai des problèmes. Ok, donc c'est pas là-bas qu'il faut aller, c'est là-bas. D'où je viens? Qu'est-ce que je fais? C'est ça la question en fait. Là, je sais pas du tout, je me suis perdue. Tout se ressemble. Je suis pas douée moi en plus pour les labyrinthes, on risque d'y passer un petit moment aussi. À moins que j'ai trouvé du premier coup et que j'ai une chance de fou, c'est quoi ça? Ça sent la mort ça, non? Ça sent pas bon ça. Hein. Vous pensez que je vais survivre si je saute là? Ah oui. Bon. Bon. C'est ça la sortie? McDo? Comment ça McDo? D'où on arrive à McDo? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, je me suis fait couper en rondelles par McDonald's. Je me suis retrouvée contre un mur, re de l'autre côté. Ok, McDo, faut que tu m'expliques là. Parce que là, ça a pas un bon goût tes frites là. Hein. Ah, deux fois que je me fais ratiboiser les patounes. Attends, laisse-moi passer, tranquille. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'avance en même temps, j'avais oublié ça. La team Rocket s'en va vers d'autres cieux. Alors. Oh non! Non! C'est quoi ça? C'est le fleuve de la frite? Trouver un nom à cet endroit. Comment s'appelle? Cet endroit magique. Non mais à chaque fois je me fais avoir. En fait dès que je le vois je saute, sauf que ça saute juste avant. Et du coup j'arrive pas à l'avoir. La grosse blague. Ah il y a des gens qui meurent aussi, je suis pas la seule. Ah c'est bon. C'est bientôt fini? Est-ce que c'est bientôt fini? Je vois rien. Ah, c'est là. Je veux sortir. Laissez-moi sortir. Ah! On est dans le jardin, ça y est. Enfin, dans le jardin. Dans le jardin ou dans un vomi d'une autre couleur, je ne sais pas. Ouh! Il y a du vomi et pas de nana, la dire la dada. J'en peux tellement plus que je me laisse totalement tomber dans le vomi. Je me laisse tomber dedans. Voilà, j'ai décidé. Pourquoi lutter?
quoi lutter. Alors, on va essayer de sauter, là, quand même. Ah. Et bah, moi, je vous dis, vous allez découvrir la fin de l'escape parce que c'est un suicide. Ah. Et voilà, je me suis totalement noyée dans le vomi. On va arrêter là pour cet escape qui est juste infernal. Si vous l'avez déjà fini, vous pouvez raconter la fin dans les commentaires. Vous pouvez me dire si vous l'avez bien réussi et si je suis vraiment la plus nulle de toutes les nulles Roblox ou net. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi cette galère en fait. Moi, je vous laisse laisser un gros pouce bleu si ça vous a plu, vous faire d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!